Alors, comment dire? Bonjour à tous déjà. Regardez où ils m'ont mis comme session quoi. Regardez les points. 17 points si on gagne, c'est une blague. Là je crois que c'est la pire session du truc quoi. On est deux en classe B. Il n'y a que des D après. D et E. Mais what? Pourquoi ils m'ont mis dans cette session? C'est invraisemblable. Alors je précise, j'ai pas roulé encore avec cette voiture sur ce circuit, mais bon, ça devrait aller. A priori. Oula, attention, McLaren là. Ben, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est une blague. Mais quoi? Mais non. Non. Ça va pas commencer les conneries là. Putain, j'ai affaire à des grosses merdes là quand même. Oh là là, mais ils sont lents! Alors je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais là quand même, ceux que j'ai passé... What the fuck quoi. Bon, bah du coup je vais pouvoir... Je n'aurai qu'une seule chance. Enfin, je... Ouais, peut-être... Peut-être deux, je sais pas, ouais. Non, c'est mort, une seule. Le tour est tellement long.
Et encore, je me suis pris une peinard. Ouais, attention, hein, je suis peut-être pas en pôle. Putain, je sens que je vais être bien passé quand même. J'espère. Il y en a un, il a 20 secondes quoi. Faut l'empêcher de faire la course lui. Et encore j'étais en train d'éternuer donc j'ai raté mon freinage au premier virage et j'ai eu 5 dixièmes de pénal plus loin donc je peux améliorer 2 ou 3 secondes je pense. Je pense que mon meilleur tour en course d'ailleurs sera mieux que le tour de qualif que je viens de faire. Là t'as l'impression d'être le dieu du pilotage mais ils sont tous nuls en fait. Ça c'est pas représentatif de mon niveau franchement. Ça fait chier parce que là même si je fais un top 3 ou même si je gagne 17 points. C'est nul à chier. Je sais pas pourquoi le jeu a décidé de me mettre là-dedans, franchement. Moi j'aurais pas été contre une session plus relevée quand même. Hein. Même si je fais 5-6ème, c'est pas grave. Au moins je gagne 50, 60, 70 points quoi. Bon bah pool. Easy. Et on va essayer de transformer cette pool en victoire, ma foi. Pour une fois je vais pouvoir gagner en Manufacture Cup. Et l'autre classe B il est où? Ah il est 14ème, mais il a pas fait de temps. Putain il est classe E le deuxième, mais what? Non. C'est chaud. Je suis le seul français. Incroyable, puis la McLaren en tête, une McLaren en pôle, incroyable. C'est la première fois que ça arrive dans ce championnat des constructeurs. Ouais, je les éclate tous. Ça va être la meilleure course de ma vie en Manufacture Cup. Course d'une vie. Sauf si je me fais éclater évidemment au premier virage. Ce qui est fortement probable. En premier virage, j'aurais 10 tours pour rattraper. Ça devrait le faire quand même. Là, je me dois de gagner, hein, franchement. C'est une question d'honneur. J'ai remarqué depuis 2-3 sessions, ils me foutent dans des sessions de merde, là. On l'a bien vu, hein, vendredi, avec... Enfin, hier.
avec la course à Fuji, la dernière session, il m'a mis dans une session de merde en fait. Je sais pas pourquoi. Bah, t'es moins pire que là quand même. Là, ils sont vraiment nuls. Hein. Il y a plein de mecs qui ont même pas réussi à faire un temps quoi. Allez, pour une fois, c'est moi qui vais donner le départ. C'est vrai que c'est un départ lancé, donc il y a peu de chances que je me fasse éclater en virage au final. C'est déjà pas mal, on va surveiller l'essence quand même. Oh là, derrière. Mais qu'est-ce qu'ils foutent les mecs? Oh là. Ça va même pas prendre un putain de départ. Alors là déjà je vois qu'il va falloir s'arrêter au stand. Ah ça va être intéressant là. Ah non, pénalité ça commence. Excellent, excellent. 5 dixièmes, bon c'est mérité. Oh derrière ça s'attaque déjà. Putain, elle a glissé, j'ai pas compris. Hein. Parce que je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il faudrait s'arrêter ou pas s'arrêter? Putain, j'arrive pas à l'SP, j'y crois pas quoi. Les mecs sont classe D, j'arrive pas à l'SP. What the hell? Terrible ça quand même. Le mec en Peugeot il est chaud. Hein. Oh là il a fait une erreur. Oh grosse erreur même. Sur conduit. Je suis en train de me demander si je vais pas économiser en fait là, parce que si pour rentrer au stand pour deux tours, ça fout un peu les nerfs quoi. Vas-y, on va économiser à deux là. Je vais pas rentrer au stand pour deux tours, hein. Pff, et encore même pas ça se trouve. On va rester toute la course en deux au pire. On sent que le mec derrière il surconduit un peu quand même.
Il est à fond de ce qu'il peut faire, je pense. Moi, c'est pas le cas pour le coup. Seconde 4 d'avance, incroyable. Quel branlé. Ils se sont peut-être rendu compte qu'il fallait gérer l'essence du coup. Alors j'ai dépensé 12% au premier tour. 88. Wow. Sans conséquence, on peut perdre du temps quand même. Et là on est à... Ah ouais, 9, c'est beaucoup mieux. Je fais le meilleur tour. Par rapport au calife. Pas tout à fait, mais presque. En mode 2 quand même. Ceux derrière ils sont tellement loin. Je prends pas de risque, franchement je m'arrête pas quoi. Ce serait débile de ma part de m'arrêter. Elle est facile à conduire sur ce circuit de McLaren franchement. Vais-je mettre un tour à des pilotes? Ça pourrait être drôle. Putain, j'ai même plus le meilleur tour, j'y crois pas quoi. Qui a fait le meilleur tour là? C'est CN Boy. Un scandale le quatrième qui fait le meilleur tour. Alors là, 2.33.0, mais je crois qu'il a pas compris qu'il fallait s'arrêter lui. Hein. C'est pas grave, je suis en train de l'améliorer, je suis en train de m'éclater le meilleur tour même. Là. Je vais tellement l'atomiser. Ah bah non, même pas. Putain, merde. 2.33.0. C'est pas grave. Je l'aurai. Je l'aurai un jour. J'ai atomisé mon précédent tour, par contre, de 1 seconde 7. Et j'ai atomisé mon tour de qualif, comme prévu. Magnifique. Putain, j'ai cru que j'allais prendre une pénale, mais non, ça va. On a 10% par tour à peu près avec cette, avec ce niveau 2. Le mec accélère à fond dans la côte. Des génies.
Ça se déconnecte chez les pilotes. J'espère que je vais pas me faire déconnecter, mon Facebook, ça encore. Ce serait la fin. Ouais. Oh, je vais tellement te l'éclater ton tour, toi. En même temps, l'essence, il se dépense tellement vite au final que... C'est normal aussi. C'est un peu large, je sais pas ce que ça va donner, les trucs limites. Je travaille un peu le dernier virage par contre, c'est pas terrible. Putain, c'est là que je perds à chaque fois quoi, c'est pas vrai. Dernier secteur, je perds trop quoi. Quoi? Pardon? Non mais attends, Je dirai rien parce que franchement, c'est un putain de scandale ce jeu. À quel moment on peut considérer que j'ai coupé en fait là? Je sais pas, c'est étonnant quand même. Hein. C'est vraiment étonnant. Attends, s'il faut, je vais me remettre en 1. À la fin de la course pour lui battre son meilleur tour à lui là. J'y arriverai là, c'est sûr. Vu que le toit est mort, je vais mettre en 3 ce tour là. Ça glissouille, ça glissouille. Ça va être la course la plus facile que j'aurais jamais fait en Manufacture Cup là. Évidemment, elle rapporte tellement peu de points au final que ça va même pas compter dans le classement final quoi. Ce qui est un peu ballot. Mais bon, ça comptera comme une victoire au final. C'est pas plus mal. Je reste en 3 pour le prochain tour. J'ai envie de les éclater à la fin sur le... avec les meilleurs tours là. Comme il a fait son 233, honnêtement, je pense qu'il y a eu de la spi. C'est pas possible autrement. Là, s'il me dit qu'il y a une P9 ratée. Ça va. Ça rentre du côté de Ashkia. Pourquoi il rentre, je sais pas. Étonnant, étonnant, étonnant. J'ai bien regardé, il n'y a pas d'arrêt au stand. Même en 3, j'arrive encore à maintenir l'écart. Magnifique. Je pense que s'ils sont pas trop bêtes, ils ont dû se mettre en 2 ou 3 aussi. J'espère pour eux. Sinon, on va devoir s'arrêter. Quoi? 2.31.0? Quoi? Attends, combien? Non, mais attends. Quoi?
Mais le mec... Attends. Honnêtement, je vais m'en mettre en 1 après, là. Après ce tour-là. Là, faut pas déconner non plus, quoi. Sort d'où ce mec, là? Soit il assure pas du tout, il va s'arrêter, soit il rentre à la ville. Putain, de 31-0, honnêtement, je sais pas si je vais pouvoir le battre. Hein. S'il se retrouve deuxième, il va falloir que je surveille quand même. Wow, wow, putain, j'ai fait glisser comme une merde, là. Ça a failli être dramatique. Putain, il a repassé deuxième, ça y est. Bon, allez, vas-y, on va essayer de battre le meilleur tour. On va surveiller l'écart. Bon, j'ai encore 4 secondes d'avance, ça va. Est-ce que c'est lui le mec en classe B comme moi? Enfin... Si, ouais, je crois qu'il était en classe B. Si j'arrive pas à le battre sur ce tour-là, je remettrai en 2. J'arrêterai au dernier tour, pire. J'avoue qu'il a fait un bon temps quand même, de 31-0, même s'il y a de la spi, c'est pas mal. Étonnant. En ce temps, je suis en avance. Qui rentre encore. Putain, en mode 1, ça consomme tellement, par contre, c'est chaud. Ouais, l'avance qu'il a pris déjà, c'est impressionnant son rythme à lui. Ouais, on revient pas dessus, hein, heureusement, mais... Putain, je suis pas dans le meilleur tour. Mais comment il a fait son temps, honnêtement? Bon bah tant pis, j'aurai ça après. Hein. Allez, par contre faut vraiment que je fasse gaffe à la console, hein, parce que... Je resserre au dernier tour, mais là faut que j'économise encore. J'ai fait un peu le mariole là, mais... Tac. Dernier virage, tranquillement. Allez, je me prépare. 31-6, ouais, bon, ok, d'accord, respect. Il a fait un putain de temps, il faut avouer. Il a pas l'air si nul, lui, pour le coup. J'ai quand même amélioré mon temps de qualif de 3 secondes, hein. Juste ça. Juste. Par contre, s'il tombe en panne d'essence, je rigole. Les écarts colossaux qu'il y a, mais c'est incroyable. Il arrive un peu à me rattraper, mais bon, l'écart reste à peu près stable. Putain, déjà, rien que le premier secteur, 7 dixièmes de perdu avec le mode 3 là. Incroyable. Rien que dans la ligne droite déjà. Ouais, comme il revient, putain. Il m'a repris une seconde pleine, quoi. Je serais curieux de savoir s'il peut aller au bout avec une telle vitesse. Ça paraît étonnant, quand même. Ça paraît extrêmement étonnant.
Oula, oula, oh non! Oh putain! Pas de peine, s'il vous plaît, les gars. Je reviens sur un mec. Bon sang, ils ont même pas collé de peine, ils sont pas trop cons. Il a repassé en dessous des 10 secondes, incroyable. Mais soit il est... Non, il peut pas être... franchement... Je pense pas qu'il puisse économiser l'essence, là. À cette allure-là... Il est en train de me fondre dessus, hein. Étonnant, ce... Parce que, au calife, je croyais qu'il était assez mal placé, lui, hein, pour le coup. Il a progressé de façon fulgurante, ce monsieur. Bon, je m'inquiète pas, hein. De toute façon, j'ai de la réserve de carburant, là. Je vais encore rester en mode... Ouais, je vais mettre en mode 2 pour l'avant-dernier tour. À 2.34, hein, c'est incroyable. Hein. Et au dernier tour, évidemment, je me mettrai en mode 1 parce que bon, faut pas déconner quand même. Allez, tu sais quoi, je remets en mode 3 pour être sûr. Ah, salut Sophia. Oh là là, attention. On va peut-être diffuser un petit grand prix après en fin de soirée. Enfin, en fin de soirée. Hop, vers 22h, je pense. De 95. Grand prix de 95, prochain. Je sais plus. Que ce sera après la France, peut-être la Grande-Bretagne du coup. Là c'est Gran Turismo Sport. On est avec une McLaren comme tu peux le voir à Spa. J'en ferai une à 21h20. La même. Bon là je suis dans une session avec un niveau assez faible donc je suis premier et j'ai pas trop de mérite. Pourquoi le jeu m'a mis dans une session comme ça, je ne sais pas. D'habitude, je suis quand même avec des gens de mon niveau, c'est-à-dire qui sont quand même assez bons. Là, je suis avec des classes D, des classes E. Regarde lui, il n'y arrive pas, quoi. Ah oui, sport, on reconnaît bien. C'est un tracé atypique. Le boss, n'exagérons pas, mais bon. Bon, là, je vais pouvoir mettre en mode 1 pour le dernier tour. Le Sicilian Boy est à distance. Heureusement qu'il est parti assez loin lui au final parce que il aurait pu me faire chier pendant la course. Hein. C'est le seul qui a à peu près mon niveau quoi. Ma foi. Allez c'est parti, on va cravacher là. Il me reste 14% d'essence, ça va le faire. Les pneus s'usent pas du tout, enfin presque pas. Ah, j'espère qu'ils vont pas me foutre une peine pour ça quand même. 8 secondes 6. On va essayer de repasser aux 10 secondes, mais bon. Je sais pas si. Au final, il va pas rentrer au stand. Hein. Donc il avait vraiment un bon rythme. Impressionnant. Ouais, attention au track limite. Non, je joue la manette. J'ai un volant, j'ai le Driving Force GT, mais il est pas compatible avec la PS4. Malheureusement, c'est un peu chiant d'ailleurs. Secteur en violet. Secteur 1. Mais Spa, la manette, ça, franchement, ça se fait bien. Bah ouais, franchement, je trouve aussi... Et Spa, je le connais par cœur aussi, ça aide. Mais la manette, ce jeu, franchement, ça passe, hein, quand même.
Par contre, tu joues à la manette avec iRacing, c'est compliqué quoi. Hop, ça glisse un peu là. Il attaque. Je pense pas que ça fasse le meilleur tour honnêtement, je suis un peu... Ouais, j'améliore même pas mon... putain. Ouais, ça va. J'ai repris un peu d'avance à CCN Boy, mais bon. Attends, je lis après ton message, je termine. 0,5. Oh là 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 là. Non, bon c'est mort là, le tour va être annulé. Je vais me prendre une péna sûrement en plus. Oula. Ah, même pas de péna, dis donc. Eh. Ouais, j'ai complètement foiré le dernier virage. Laisse tomber. Tu peux avoir l'aspi. Ouais, on peut avoir l'aspi carrément. Carrément. 25 minutes 40, ok. Ouais, même avec les voitures normales, il y a l'aspi. Et c'est une victoire pour le pilote McLaren, incroyable. Dans cette session très relevée, c'est faux. J'aimerais bien être dans une session mieux quand même, parce que même si je gagne pas au final, là je gagne 17 points quoi. 17 points. 17 points dans une autre session, c'est ce que je gagne en étant dernier en fait. Donc c'est un peu abusé là. J'espère qu'à 21h20 ils vont me mettre dans une session mieux que ça, parce que là, ça fait plaisir de gagner, mais bon, si c'est contre des branleurs qui savent pas rouler, c'est un peu... ça casse un peu le truc quand même. Oh là là, le 6ème à 1 minute. Il y a vraiment que Cécilian Boy qui est à peu près à mon niveau, quoi. Les autres, laisse tomber. Putain, ils vont même pas avoir le temps de finir les autres, quoi, tellement ils sont loin. Plus un tour. Est-ce que je vais acheter la fin 2021? Je ne sais pas. Honnêtement, il a l'air pas mal, vu le trailer et tout, les fonctionnalités. Je verrai. Déjà, s'il y a une démo, je testerai la démo. J'espère qu'il y en aura une. Le problème de la fin 2020, c'est que la manette, c'est compliqué, hein, vraiment. Donc si c'est pareil à fin 2021... Oh tiens, une animation de victoire. Je l'avais jamais vue, vu que j'ai jamais gagné en Manufacture Cup. Magnifique. 17 points. Oh, incroyable. Quel point. D'accord. 17 points marqués. Incroyable victoire. C'est limite mon pire résultat. C'est ça le truc en plus. C'est ça le pire quoi. C'est quand même très tragique. On va aller voir d'ailleurs. Alors, Cécilian Boy, il était classe B. Ah ouais, d'accord, ouais. Bah, c'était lui qui partait 14ème en classe B. Comme moi, d'ailleurs. Comme quoi, c'était vraiment que lui qui était de mon niveau, quoi. On aurait pu se retrouver dans la même session, hein, normalement. Alors, 17, je crois que c'est mon pire résultat, hein, clairement. Ah bah, 18. Pourquoi 18? Je croyais que c'était 17. J'ai bien vu 17, on est d'accord? C'est bizarre. Là, je comprends pas. Bon, bref. Ça reste mon pire résultat malgré que j'ai gagné la course. Ce jeu n'a aucun sens. Voilà, faut le dire. Donc voilà. Je vais refaire donc celle, la dernière, à 21h20. Point de meilleur tour, ouais, je pense pas, non. Je pense pas que ça change grand chose. Non, en plus, je l'ai pas le meilleur tour. C'était l'autre qui avait le deuxième. Bon, sur ce, je te laisse. Et je referai celle de 21h20. Sur Twitch, toujours. À toutes.